Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et yap les petits potes, c'est vrai coup, nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le défi triple élixir. Avant que la vidéo commence les gars, on n'hésite pas à s'abonner à la chaîne de mon pouce bleu car beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc vraiment abonnez-vous à la chaîne de mon pouce bleu, ça me ferait sans plaisir, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram les gars pour poser des questions. Et puis c'est parti, on va le faire en mode random. Quel deck je vais prendre ça? Allez c'est parti, on va le faire avec ce deck. C'est une catastrophe, mais let's go. Allez, on est en x3, on rappelle. Donc là, ça va aller, ça va aller très vite. Ouais, aussi, ça marche, ouais. Il n'y a pas le temps de déboucher sa capa, ça c'est chiant. Ah bah, vous voyez la vidéo sur hier sur les racistes, bah voilà. Ouais, j'ai un truc dans la gorge, excusez-moi. C'est le moment de l'appliquer, donc on prend notre temps, évidemment. Voilà, nous sommes en x3, donc c'est un peu des situations particulières, si je peux me permettre. Ok, là, il est dans la merde. On va aller prendre la tour, je pense. Wesh, il a pas de temps. Mais sa capa, elle se déclenche jamais, ou c'est comment? Il est en train de griller des pompes là. Je reconnais ça, ça grille des pompes tout ça là. Ok, on va activer la capa cette fois. Ouais, il prend 1000 ans à activer sa capa, ouais, dinguerie. Ah, le problème c'est qu'il a des flèches chasse. Oh, on va déglinguer ses pompes parce que là c'est trop là, vraiment. Ok, bon, on va déglinguer tout ça. Hop. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Il a fait un record 3 mousquetaires, ce bâtard. Je suis en train de griller les... Ouais, il me casse les couilles avec ses pompes, là, ce bâtard. On va le submerger. Nice. Écoute, je tente un truc là, je suis pas sûr du coup là. Vas-y, let's go. Ah, pour l'instant, on défend bien. Avec un deck, il n'est pas très optimal pour défendre ce genre de deck. Peut-être que je songe à garder les Fletchers pour ce putain de gobelin de merde là. Ok, là c'est la sauce. Là c'est la sauce, la vraie là. Oh, sa défense les gars, oh la défense en béton armé. Ok, on va essayer de topo, on va essayer de cycler le gel. Commence à avoir beaucoup de mousquetaires sur le rinté. Et voilà la première game de gagner tout simplement. Allez, on change de deck, c'est parti, go, changer de deck, Inch'Allah, j'ai un meilleur deck, ok, ça c'est un deck qui convient mieux, j'ai pas de truc derrière le golem, j'ai un golem, j'ai un gobelin mais derrière le golem, c'est une catastrophe, c'est pas grave, ah non ça j'ai un bourrin de velours, c'est pas des cartes qui vont derrière un golem, mais, let's go. Ok, bon, alors... Mon tank, vas-y, ce sera le golem. Let's go. Oh putain, c'est la sauce ça. Oh. Oh l'enfer. Oh l'enfer pour passer. Ok, en vrai, on a un golem à mettre là encore. En vrai, il y a un monde où je vous jure ça passe, il y a un monde où ça passe. Là, on a triple bourreau sur le rinté, mon ref. Il va faire quoi, là?
Tu Valkyrie, hein, écoute. Hein. Ok, en vrai, il y a un monde où, je te jure, on met des dégâts. Au de vrai. On a bien gratté. Maintenant, il suffit à faire le reste des dégâts. Hein. Écoute. Ah. Ça, c'était moins prévu, déjà. Lemgo de protection. Alors. On a de le poison ici. Alors le bourreau est en train de faire une masterclass là. C'est un truc de ouf hein, le bourreau. En fait le bourreau c'est trop fort maintenant. Genre c'est un truc de ouf, le bourreau il est trop trop fort. Ok, voilà, on a une bonne bûche à mettre. Et I, Rashkit, évidemment. Nous sommes bien trop forts pour Alex El Major. Nous avons le retour du triple bourreau. Après, trois mousquetaires, les trois bourreaux. Et puis voilà, deuxième game de gagné. Et ça, ça fait plaisir. Allez, bah let's go, continue, hein. On s'arrête pas, allez on change, c'est parti. Alors un bon deck, un deck lourd, c'est bien les decks lourds. Voilà. Oh, ça c'est un bon deck. Ça pour le coup c'est un vraiment bon deck. Bon la rage, en vrai elle va être drôle la rage. En x3 elle peut être utile en x3. Genre pour faire ça par exemple. Être un poison au cas où une arme squelette. Ouah, cette merde ça gratte tellement, c'est un truc de ouf. What? Il a pété un câble. Ok, là on a les gobelins. On a l'archer magique avec, on a tout dedans là. Ça c'est bien. Allez, deuxième PK. On se fait plaisir. Donc la bombe elle explose. Alors, tac. Hop. Paf. On va mettre un autre PK au pont. Let's go. En fait là c'est juste du genre dès que j'ai une carte je la pose et Inch'Allah ça passe hein. Il n'a pas encore Rashkit mais il va bientôt le faire le monsieur. Sous tous les cas je vais le 3 couronnes donc il a pas trop le choix. Et voilà, troisième victoire, troisième, trois couronnes, ça fait plaisir contre Vanilla Boy. Pour l'instant, le défi se passe très bien. Je tiens à le dire, il se passe très bien. On va s'ouvrir notre petite bannière, let's go. Alors, nous avons quoi? Waouh. De la giga D, c'est un plaisir. Et hop là, on change de deck, il y a un Molos, il n'y a rien qui va avec le Molos. Les os, c'est ce qu'on aime. Allez, c'est parti contre Der et Du. À partir de Molos sur map, alors. Ok, là on a un Frifu. Petite armée sympathique aussi. À part les gargouilles qui vont derrière le Molos, il n'y a pas grand chose. Hein. Encore une T2. Ça, c'est terrible. Écoutez, on va mettre un deuxième Molos. On va essayer d'à peu près tout balancer. Une roquette sur des Molos. Bah pourquoi pas, écoutez. Après tout. Vas-y, il a des flèches chasse, ça c'est plus chiant déjà. Vous savez que j'ai pas pensé à roquette à Molos. Ok, on a un bon poison ici. On peut continuer à full spam. Ah bah roquette sur un Molos, le retour. Ah là j'avoue j'en ai plus rien à foutre. Hein. Là je mets absolument tout ce que j'ai au pont. Écoutez, Inch'Allah ça passe. Ok, il a compris que la T2 servait. Là on est sur une grosse avancée de Edu. Qui a enfin compris que la T2 servait à défendre le Molos et la roquette.
apparemment sert à Rocket, la tour. Et là on va essayer de mettre un triple molosse, ça serait bien. J'aimerais beaucoup mettre un triple molosse. Écoute, on va mettre un poison en mode un peu bas les couilles. Bah pourquoi pas, tiens. En train de Rocket la gueule là. Ça je m'en doute, je m'attendais un petit peu, je t'avoue que... Légèrement prévisible ton truc là. Et maintenant qu'il a plus de flèches, il Rocket les molosses, le retour. Apparemment Rocket les molosses ça l'intéresse, donc écoute, il Rocket des molosses. Il fait comme il veut, après tout. C'est son combat, pas le mien. Il n'a plus de flèches, donc on continue à full spam toute notre daronne et re-roquette un molosse. Tiens. Il faudrait que je retrouve une roquette molosse, l'ami. Et un autre 3 couronnes, encore une fois, dans ce défi triple élixir. Vous voyez que ce n'est pas compliqué de 3 couronnes, les gens, en triple élixir. Ça fait fermer le pass, même si moi je l'ai terminé depuis un petit bout de temps. On va pas se le cacher. Allez, on change de deck. Et pour la dernière game, nous avons... Non, je vois un deck un peu pire que ça, parce que lui, il est bien en vrai. Voilà, là, il n'y a rien. Là, concrètement, on part de loin. On part de très très loin. On a le bélier de combat en termes de mille conditions. On est contre Xan Manu. Et bah, let's go. On va juste approximativement notre tropon, puisque c'est notre deck, hein, concrètement. Et Inch'Allah, il joue pas en 2.6. Et bah, il joue en 2.6. Bon, honnêtement, s'il joue comme ça, c'est pas très dérangeant. Hein. Bon, après, j'ai le 6 pour le canon, ça c'est déjà bien. C'est une très très bonne nouvelle, ça. Alors attendez, là il faudrait que j'essaie de tenter un push. On va, tu sais quoi, on va faire une collection de Tesla. Allez, on s'en bat les couilles. On met tout au pont. Un réel plaisir. Ah ben là jamais je passe par contre. Hein. Là ça va être du Seagull séisme. Hein. Là jamais je passe. Hein. Y'a aucun monde où je passe là. Ouais, calme-toi, mon ref. Il a cru qu'il pouvait mettre des triples mousquetaires comme ça, ce bâtard. Écoutez, à part sa queue, les 6, je vois pas ce que je peux faire de plus. Alors là, par contre, on commence à avoir un vrai souci, là. Le type, il est en train de nous out sa queue. Il m'a out sa queue. Et ça, c'est problématique. Ok, bon, on va mettre un séisme. Let's go! La collection du bélier qui passe, ça fait plaisir. Je pense que je vais continuer à mettre des béliers. Des gardes YOLO un peu. Ça a l'air de plutôt bien marcher. Hop, là on peut mettre un bélier. Ouais, j'ai compris, ouais, bon. Le prince à gauche qui fait plaisir, qui va les charger. On va essayer d'être à peu près tout ce qu'on a à gauche. Voilà, le cochon va se faire éclater. Il va se faire Hegel, comme on dit dans le milieu, dans le jargon. C'est de mettre un bélier. On va essayer de remettre un séisme un peu YOLO. Dommage, ça a failli passer. Et des fois, il joue bien. En fait, là, la 0 ban, en fait, avec les 6, sauf les 6, je vois pas. Là, c'est le premier 3 couronnes qu'on ne fait pas. C'est la première fois qu'on ne fait pas 3 couronnes. Écoutez, là, j'ai juste def et full séisme. Écoutez, j'ai pas le choix. Comment je défends le prochain push, moi? Là, faut juste pas que je me fasse obstacle, hein, en vrai. Il commence à y avoir du monde, c'est dommage. On va mettre un prince sur le map. Et là, il ne nous reste plus que 2-6, mais nous avons win.
Et let's go, la dernière victoire qui évidemment est faite avec ce deck qui ne qui ne vaut rien, il est vraiment éclaté. Mais bon, en vrai ça fait plaisir, c'est cool. Petite vidéo sympathique, petit chill, tu vois, petit en full random. Ça marche bien, c'est sympa, c'est cool, ça me fait une petite emote en plus. Et puis let's go, en tout cas c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, c'était vrai coup, ciao ciao.